Good morgen, allez, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Mori et Rabbi, Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Erisha Batrim Nechemia, ainsi que le Fouat Avram, Mori ben Reout, Petor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah protecté le 5 minutes éternel, nous étudions à Sechet Zvachim, Père Gimel, Mishnah Dalet. Ashochet et Hazevach, le Echol Kazait Mina Or, Mina Rotev, Mina Kifa, Mina Alal, Mina Atzamot, Mina Gidim, Mina Tlafaim, Mina Karnaim, Chutzizmano, O Chutzlim Komo, Kacher, Ben Chaevin Alehem, Mishum Pigul, Ben Otar, Vetame. Mishnah, très concrète, par rapport aux lois du Pigul, toujours pour rappel. D'abord, c'est quoi un Pigul? Un Korban, littéralement un Korban, un sacrifice répugné, Pigul. Les Fagel, c'est qu'il était répugné, repoussé. On parle d'un corban que l'on égorge avec intention de le manger au-delà des limites de temps permises. Bon, un corban pasoul, qui a été juste invalidé, c'est un corban qu'on égorge avec intention de le manger au-delà des limites d'espace, en dehors du Rouchalaïm, en dehors de la Hazara, du Beth Amikdash, chaque corban selon ses règles. D'accord? Ça, c'est l'interdit de pigoul. Donc, si j'égorge l'animal avec intention de manger un kazaït de viande de cet animal, d'ici pendant 2 jours, pendant 3 jours, au-delà des limites de temps permises, depuis tout de suite, le corban est invalidé, on ne peut plus l'offrir, continuer à l'offrir, à verser son sang dans le Mizbéar, il faut le sortir nécessairement du Beth Amikdash et aller le brûler. Ok? Si on le mange, malgré tout, même si on a fini de le faire entièrement, de porter le sang, comme de jeter, d'asperger le sang sur le Mizbéar par exemple, et qu'on mange ce corban, alors, pour le pigoul spécialement, la Torah l'a donné un interdit de carette, de retranchement. Et si l'animal il a été uniquement pasoul, invalidé, parce qu'on a pensé, on a eu une intention de chutzlim komo, en pensant à le manger à l'extérieur de Rosh Hashanah par exemple, alors il n'y aura pas en cela de carette, il y aura juste un interdit. Ok? Dans la Mishnah précédente, on apprenait maintenant qu'il faut nécessairement avoir l'intention de manger au-delà des limites de temps permises, quelque chose qui est mangeable. La Mishnah précédente parlait de manière très générale. Dans notre Mishnah, on va parler très concrètement qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui est mangeable, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui n'est pas mangeable. En l'occurrence, si j'ai l'intention de manger les cornes le surlendemain, imaginez qu'il y a un plat où on peut faire des cornes, on les mange, on les fait ramollir et on les mange. Les os, est-ce que ça s'appelle que c'est de la nourriture? Est-ce que ça s'appelle que c'est de la viande? Est-ce que donc, quelle est la nafkamina, de quoi on parle concrètement? Si j'égorge l'animal avec intention de le manger dans les limites de temps ou d'espace imposées, mais je me dis que juste les cornes, je vais les garder, ou les ongles, les sabots, je vais les garder pour les manger dans 3 jours. Ou encore, un autre cas encore original, c'est par exemple, je vais faire cuire, je vais manger la chair entièrement, mais la sauce, je vais la garder et la manger dans 3 jours. Est-ce que dans des cas pareils, il y aura un interdit de pigoule ou non? Est-ce qu'on rendra l'animal interdit de pigoule de la sorte? Est-ce qu'on interdit de manger une telle sauce de pigoule, par exemple? On expliquera la petite nuance à la fin, d'accord? Je vais juste d'abord donner le timbre général de la Mishnah. Alors la Mishnah va nous dire, non, il n'y a pas en cela, on ne transgresse pas par cela l'interdit de pigoule. Et on fait ça dans les mots tout de suite. Ashochet et azevach. Celui qui égorge, qui sacrifie le sacrifice, l'animal, avec intention que les chol kazaït mina or, avec intention de manger un kazaït de la peau, il se dit qu'il va manger l'animal en temps et en heure, mais la peau, il va la garder, il va la faire amollir et la manger dans 3 jours. Imaginez que ça peut se faire, que ça peut être mangeable, et bien malgré tout, il sera dispensé, il n'y aura pas en cela un interdit de pigoul. Ouais, à la fin de la Mishnah, si vous faites attention, dans plusieurs mots, il va y avoir écrit Chutzlizmano ve Chutzlimkomo, il est mis en facteur sur tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il fait intention, il a l'intention de manger la peau, Chutzlizmano ve Chutzlimkomo. Ou encore le rotev, Chutzlizmano ve Chutzlimkomo. D'accord, c'est en hébreu, dans la Mishnah, ça se fait fréquemment des choses pareilles. On met en facteur à la fin quelque chose qu'on retrouve depuis le début, ça fait qu'on a du mal à lire et traduire. Mais en tout cas, voilà, le principe, il est là. Donc, celui qui égorge le sacrifice avec intention de le manger, kazaït minor, un kazaït de la peau, ou encore minarotev, de la sauce. Comme ce que je vous ai dit, on fait cuire la chair dans une sauce, après on la mange, la chair, le muscle, en temps et en heure, mais la sauce on la garde pour 3 jours. Ou encore,
Minakifa. Alors l'akifa, c'est de nouveau une sorte de sauce un peu plus épaisse cette fois-ci, où il y a dedans plein d'épices. Et le Bar Tanoura rapporte ici, il y a encore, vous savez, quand on fait cuire la viande, à la fin on récupère une sauce où il y a des petites particules comme ça de viande. La sauce elle est épaisse parce qu'il y a des petites particules de viande. Donc en fait ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a fait cuire par exemple sa viande de shlamim, et il a égorgé l'animal en se disant, après je vais le faire cuire à la sauce, je sais pas, une sauce, je vais la faire cuire, et puis je récupérerai ensuite tout le concentré là-bas où il y a ces petites particules de viande, et je vais le manger pendant 3 jours après. Ou encore. Donc pendant 3 jours, ça veut dire Chosete Zmano, ou encore Chosete Mekomo. Min ha'alal. Ou encore, il avait l'intention de manger le halal. C'est quoi le halal? C'est pas le halal. C'est quoi le halal? Le partenaire propose 2 explications. Soit, de nouveau, on parle... cette fois-ci, on parle plutôt de... Lorsqu'on dépaisse la bête, il y a des petits morceaux de viande qui restent collés à la peau. Maintenant, ça, c'est pas quelque chose qui est mangeable. C'est-à-dire, il peut être concrètement mangé, j'imagine, en période de famine, grâce au shalom, même ça, ils vont gratter, ils vont commencer à le manger. Mais de manière générale, c'est pas quelque chose qui est considéré comme la chair elle-même sur laquelle l'intention va invalider tout le korban ou non. Ça, c'est une première interprétation. Deuxième interprétation du Bar Tanoura, c'est qu'en fait, c'est un nerf particulier qui passe dans la gorge, dans le cou de l'animal, qui est tellement dur qu'il n'est pas mangeable. Donc en fait, il a gorgé l'animal avec intention que ce guide-là, ce nerf, il va le garder pendant 3 jours pour le faire cuire dans 3 jours, en l'honneur de, je sais pas, de Shabbat, il va le faire cuire, donc, Chosizmano, ou encore, Mina Atzamot, avec intention de garder les os pour les faire cuire. Il va faire le couscous du Shabbat de la semaine prochaine, il va le mettre au congélateur et il va le manger dans une semaine. Alors quoi? Tu fais Chosizmano apparemment? La Mishnah va nous dire que non, il n'a pas transgressé. Il n'a pas rendu le korban pigoul à cause de ça. Idem encore, minagidim, des nerfs. Il va manger toute la chair en temps et en heure, mais il prévoit de garder les nerfs pour les manger au-delà des limites de temps ou d'espace. Minatlafaim, les tlafaim, c'est les sabots. Alors je ne sais pas s'il a l'intention de manger, qu'est-ce qu'on mange exactement les sabots, si on fait allusion à l'os, ou si on fait plutôt allusion aux ongles, en tout cas, aucune différence entre les deux concrètement, s'il avait une telle intention de manger, de récupérer ces morceaux-là et de les faire cuire ensuite dans 3 jours pour les manger, alors il n'y a pas en cela d'intention de chroutz lismano et de chroutz limkomo, cette intention n'invalide pas le korban. Idem encore, mina karnaim, avec l'intention de manger les cornes. Bartenora précise, on parle de la partie des cornes, même de la partie des cornes, qui est très proche de la tête apparemment. Ça sort comme ça, quoi, tel que c'est présenté, que la corne de l'animal, alors, l'endroit où elle est reliée à la tête, elle a encore certaines propriétés qui ressemblent un petit peu à la chair. Si on la coupe là-bas à ras, on va voir qu'il y a du sang qui sort. On aurait pu croire que dans ce cas-là, s'il y a du sang qui sort, c'est encore considéré comme de la chair. Et bien la Mishnah vient et me dit non, c'est pas considéré comme de la chair. Donc, s'il avait l'intention de manger tout l'animal en temps et en heure, mais de garder les cornes pour les faire cuire dans 3 jours, il n'y aura pas, ou dans 2 jours, d'accord, il n'y aura pas en cela d'interdit de pigoul. Comme le Mishnah nous dit, chutz lismano, chutz limkomo. Donc s'il a égorgé l'animal avec intention de manger toutes ces choses-là qu'on a citées, avec intention de manger chutz lismano, au-delà des limites de temps permises, 1 jour pour la plupart des corbanotes et 2 jours pour les shlamim, ou encore chutz limkomo, au-delà des limites d'espace permises, il y a les corbanotes, ce qu'on appelle les kodshi kodeshim, qui sont consommés à l'intérieur de la Hazara, et les kodeshim kalim qui sont consommés dans tout Yerushalayim, lui, il a eu l'intention de le manger au-delà des limites d'espace permises. La Mishnah nous dit, dans tous ces cas-là, sache que kasher, le korban reste valide, tu ne l'as pas invalidé de la sorte. Je fais à l'oral tout de suite, et je vous dis tout de suite ce qu'il va y avoir dans le sujet de la Mishnah, ça va être plus simple. Il y a plusieurs... d'abord, on va parler par rapport au pigoul. Lorsque je veux donner la halakha du pigoul, la Mishnah nous précise 2 aspects pour lesquels il n'y a pas en cela d'interdit de pigoul. Premièrement, lorsque j'ai eu l'intention de manger ces choses-là dans 3 jours, je ne rendrai pas tout l'animal interdit à cause de pigoul. Mais aussi, imaginez que j'ai égorgé l'animal avec intention de manger la chair dans 3 jours. Donc l'animal, il est devenu pigoul.
si je mange ces choses-là, la Mishnah va me dire que je ne transgresse pas non plus d'interdit de consommer le pigoul. D'accord ? Là, en fait, par rapport à la halakha du pigoul, ça va être dans cette Mishnah et même dans la prochaine Mishnah, on va le revoir plusieurs fois, donc je vous le dis tout de suite. Il y a la halakha du pigoul, elle implique, quand je te dis que si tu as fait telle chose, il n'y a pas en cela d'intention qui est invalide à cause du pigoul, parce que ce n'est pas, c'est pas consommable. Alors il y a deux halakhot à nous enseigner. D'une part, à cause de lui, tu ne vas pas rendre tout l'animal pigoul. Et aussi, si tout l'animal est, il est devenu pigoul et que tu le consommes à lui, sache que tu ne transgresses pas un interdit de manger. D'accord ? À part ça, il y a maintenant, on peut transgresser l'interdit de pigoul, c'est lorsqu'on a l'intention de manger. L'intention, au moment où on égorge, on a déjà invalidé tout l'animal. Il y a par ça un interdit qu'on appelle l'interdit de notar, les restes. Chaque corban, il a ses limites de temps. Si je dépasse les limites, il y a un interdit de le manger. Il n'y a plus d'interdit de pigoul, c'est très original. J'expliquerai pourquoi c'est très original, mais en tout cas, si je dépasse les limites de temps permises, j'avais un corban khatat, j'ai eu la journée d'hier et la nuit pour le consommer. Dès demain matin, c'est fini, il faut brûler tout le reste. Le lendemain matin, celui qui va le manger, un Kohen par exemple qui va le manger, il va transgresser un interdit de notar. D'accord ? Et tamé, c'est encore un autre type d'interdit qu'on rencontre dans les corbanotes, c'est que si j'ai un corban qui est kasher, qui doit être mangé chaque corban selon sa règle, par les Kohanim ou par les Bnei Israël, qui sont permis, si toutefois il y a une personne impure qui va venir le manger, il transgresse un interdit de tamé sur lequel il y a un chiyuv mita bideshamaim ou un karet, je ne sais plus. Je crois que c'est un karet. Je ne suis pas sûr de mon coup. Je ne m'engage pas trop. D'accord ? Un interdit, en tout cas c'est un grave interdit de quelqu'un d'impur qui va manger quelque chose de kodesh. Selon, je regarde dans ce que ça va apporter ici. Mais karet apparemment. Je ne sais pas, c'est pas précisé. Oui, karet. Karet, sans préciser ici dans le Tifrat Israël, c'est vraiment un truc qui s'appelle Sukhim Forash. Vatame ki yochal basar, benichreta, quelque chose comme ça. En tout cas, donc maintenant, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Sache que pour tous les cas, tous les différents aliments que j'ai évoqués, qui ne sont pas donc des aliments, l'animal reste kasher. Donc si tu avais l'intention de le consommer lui, en dehors de ces choses-là, les cornes par exemple, en dehors des limites de temps et d'espace, l'animal, le corban reste kasher, tu ne l'as pas invalidé. Et celui qui a fait un corban pigoul parce qu'il avait une mauvaise intention, qui a invalidé le corban, et que malgré tout tu vas manger ces choses-là que je t'ai évoquées, alors il n'y aura pas en cela de condamnation d'interdit à cause de pigoul, celui qui consomme une chair interdite, ou de notar. Notar, c'est les restes, mais la chambre yoter, maché, nishar, yoter, ça s'appelle le notar. Donc il n'y aura pas d'interdit aussi de manger des restes après les limites de temps permises, par exemple, ou tamé, si toutefois c'est une personne impure qui va venir manger les cornes ou la peau d'un animal, d'un corban, il n'y aura pas en cela d'interdit de. Il ne transgressera pas en cela l'interdit de manger de la viande qui est restée, ou de manger de la viande kadosh alors qu'il est impur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Asachakol, tout, c'est là.